Bien, nous arrivons donc au panel, à la dernière table ronde qu'on dit. Vous avez vu que j'ai évité le mot panel, le mot table ronde, parce que les tables rondes ne sont toujours pas rondes. En général, elles sont rectangulaires. Donc, dans ce panel, on va un peu, en quelque sorte, poursuivre quelques-unes des questions qui ont été soulevées dans le débat précédent, puisque nous l'avons intitulé « L'Amérique au miroir de l'Afrique ». Comment l'Amérique perçoit, pense ou accueille l'Afrique? Dans quelle mesure peut-on parler de mythologie, de rupture, d'Afrique océanique, d'afropolitanisme ou d'afrofuturisme? Comment on peut rapprocher aussi les histoires de ces deux continents, sachant que quand on dit continent, il existe aussi des îles qui se trouvent à côté, ce qui nous fait penser à Françoise Vergès avec son beau titre « Afrique océanique ». Mais comme la question d'avant était sur les études universitaires, nous allons donc commencer avec la communication de Dominique Thomas. Dominique Thomas, qui se trouve juste là, attendez que je vous mette les vrais visage, nous y sommes. Donc, Dominique Thomas, que vous voyez en premier là-bas, citoyen britannique et américain, le nom ne le dit pas, en attendant son père, cher français, citoyen britannique et américain, il est détenteur de la chaire Laetitier et parallèlement le chef du département d'études francophones et françaises à l'Université de Californie à Los Angeles, et vous avez compris que c'est lui mon boss aux États-Unis. Spécialiste des politiques d'échange culturel entre l'Afrique et l'Europe et des questions d'immigration et de racisme en Europe, il compte désormais parmi les voix les plus influentes des études postcoloniales aux États-Unis et au Royaume-Uni, maintenant aussi en France, puisqu'il a publié « Noir d'encre » aux éditions de La Découverte, où publient les Achille Mbembe, les Pascal Blanchard, Nicolas Bancel. Et c'est donc avec joie que je le reçois ici, puisque c'est lui qui m'avait embauché il y a plus de 10 ans à l'Université de Californie, Los Angeles, la rencontre d'un américano-britannique avec un Congolais. Il m'avait délivré de la neige de l'Université du Michigan pour me dire « ta place est à Los Angeles ». C'est en quelque sorte celui qui a arrosé la plante pendant 10 ans. Et aujourd'hui, je suis presque ému de me dire « eh ben, c'est moi qui vais modérer un débat dans lequel le patron va parler ». Dominique Thomas, voilà. Donc, voilà. Donc, il est tout indiqué pour parler du sujet de l'Afrique à l'université, globalisation et décolonisation. Comme ça, nous aurons une idée de cette Afrique qui est à l'université en Amérique. Dominique Thomas. D'abord, merci beaucoup, Alain, et merci à vous pour votre présence aujourd'hui. À l'occasion de sa leçon inaugurale, Alain portait ce jour-là un magnifique costume bleu roi. Si aujourd'hui vous allez à ce lieu de mémoire qu'est Connivence, le grand designer des sapeurs dans le 18e arrondissement, cette veste est en vitrine avec sa leçon inaugurale. Plus bleu roi, mais bleu désormais Collège de France. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour déconstruire le symbolisme de son costume aujourd'hui, ce nouveau bleu qui me rappelle son équipe de basketball à Los Angeles, les Los Angeles Clippers, et pour lui rappeler qu'il a aussi un poste là-bas. Bon. Le regard français sur les États-Unis et le regard américain sur la France et l'Afrique s'inscrivent dans une temporalité importante. Situation paradoxale qui en dit long sur la France, un pays qui apparaissait pendant la période de l'après-guerre comme un lieu plein de vie et réceptif à la formulation d'une identité noire globale. Pays à propos duquel le grand écrivain afro-américain Richard Wright, dont tous les déplacements parisiens étaient surveillés par le FBI, qui cherchait à obtenir les raisons de son voyage en France, et Wright avait déclaré «
Je n'ai jamais regretté ma décision de venir en France, où il n'y a aucune tension raciale et aucun conflit. Pour Alain Mabankou, la traversée s'est faite à peu près un demi-siècle plus tard dans l'autre direction, et c'est grâce à Baldwin, annonce-t-il, que j'ai compris la manière dont la France traitait les Afro-Américains et les Africains. Les Afro-Américains étaient considérés « Américains », alors que la France refusait de considérer les immigrés africains comme « Français ». Cruelle responsabilité pour moi, lance Alain Mabankou dans sa leçon inaugurale, car je ne suis pas un professeur devenu un écrivain, mais un écrivain devenu professeur grâce aux États-Unis, soulignant que vous n'aurez pas de réponse dans mes deux passeports congolais et français. Suis-je un binational pour coller à l'air du temps ? Par opposition au contexte américain, encore une fois, où le président Kennedy introduira le concept d'affirmative action dès 1961 et celui du Royaume-Uni où le Parlement a voté la Race Relations Act en 1976 et établi la Commission pour l'égalité raciale, mesures qui furent accompagnées de démarches concrètes visant à punir des inégalités fondées précisément sur une discrimination raciale, la France demeure une république indivisible, comme cela est entériné dans la première constitution de 1791, ce qui signifie que la reconnaissance de communautés autonomes menace potentiellement de saper l'égalité de tous les citoyens. Aux yeux de la République française, tous les citoyens sont considérés comme égaux et indiscernables, une instance sur l'universalité qui est venue compliquer un discours constructif sur la différence. Selon Achille Mbembe, l'effet pervers de cette indifférence aux différences est donc une relative indifférence aux discriminations. Les Américains sont choqués par les controverses autour de la question des statistiques ethniques ou de la diversité, des propos de l'ancien président Sarkozy à Dakar en 2007, ainsi que son discours de Grenoble en 2010, les déclarations du ministre de l'Intérieur Claude Guéant en 2012, toutes les civilisations, toutes les pratiques, toutes les cultures au regard de nos principes républicains ne se valent pas, ou la comparaison de l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira à une guenon. Ces constructions, ces discours mettent en avant une gamme de techniques anthropométriques, de taxonomie raciale et de conception scientifique de la race qui ont rendu possible la classification systématique et scientifique des races pendant le XVIIIe et le XIXe siècle. Mais les Français ont aussi du mal à réconcilier l'élection d'un président noir avec la persistance d'un racisme de longue durée et des formes de discrimination dans la société américaine, la surreprésentation des Noirs américains dans les prisons, l'impact persistant de la race dans les cas de peine de mort, les inégalités raciales dont témoignent les conséquences de l'ouragan Katrina, le racial profiling, la brutalité policière, les actes de violence commis à l'aide d'armes. Mais par opposition au contexte français, toutes ces options sont envisageables aux États-Unis, puisque les différences ethniques sont reconnues au même des institutions, comme par exemple dans les universités. Je suis sûr que Mme Najot Belkacem ne serait pas très contente de l'apprendre, où depuis très longtemps, non seulement les Black Colleges créés et les universités en réponse à la ségrégation, mais comme François Durpère l'a déjà mentionné, les départements d'études African American, Black Studies, Ethnic Studies, Latino, Hispanic, Chicano, pour démarquer l'évolution de ces communautés, Asian American et Native American, sont visibles et valorisés, ayant en commun, comme le dirait Papa Ndiaye, un partage ou une expérience commune de la discrimination, tout comme les grands auteurs ressortissants de ces groupes minoritaires tels que Toni Morrison, Maya Angelou, Angela Davis et Alice Walker, par opposition aux auteurs africains francophones qui occupent une place marginale dans les programmes d'études en France. Place marginale dans un espace francophone ou monde, en d'autres termes, selon des facteurs résidentiels, territoriaux et diasporiques, qui servent à délimiter une cartographie complexe du colonial, national, postcolonial, tout en rendant également floue la distinction entre écrire en français et un écrivain français. Les réalignements et reconfigurations disciplinaires aux États-Unis ont coïncidé avec de telles avancées critiques et ont partiellement inversé les dissymétries universitaires.
Le Premier ministre Manuel Valls a évoqué l'existence d'un apartheid territorial, social, ethnique en France. Mais cette situation est aussi évidente dans les universités, où l'enseignement de l'histoire africaine est dévalorisé, où la sous-représentation de la littérature francophone africaine persiste dans les cursus, tout comme l'absence d'écrivains professeurs dans la faculté. Les tentatives de redressement de ces déséquilibres par l'introduction de séries spécialisées telles que « Continent noir » chez Gallimard, bien qu'elles présentent de nouvelles voies, perpétuent des hiérarchies dans une maison d'édition qui continue à publier des noirs d'encre dans « La Blanche », un apartheid littéraire lié à la politique de réception et à la classification esthétique. Mais appeler à une plus grande représentation et une plus grande inclusion revient à passer à côté de l'essentiel. Le centre n'est pas transformé quand les marges sont incorporées dans le courant dominant. Le changement viendra d'une décentralisation de ces sites de production et de dissémination et d'une réévaluation de ces composantes indissociables de la mondialisation ou de la globalisation. Et pour ce qui concerne les universités, cette question n'a jamais été exclusivement celle de l'incorporation dans les programmes scolaires, universitaires, mais plutôt de façon plus importante, celle de repenser la façon dont les recherches culturelles sont menées, en reconnaissant comment une telle approche rendrait simultanément compte de l'histoire de l'exclusion et fournirait une meilleure contextualisation de l'expérience de la langue française dans le monde. Cet objectif continue à être confronté à une résistance institutionnelle, structurelle, alors que des transformations inexorables de l'ensemble du paysage culturel ont été fournies par une production mondiale vivante qui excède les paramètres étroits d'une interprétation historique monolithique des relations humaines. Il existe bien sûr de nombreuses manières dont le contexte américain a offert aux universitaires une perspective et une distance par rapport aux divers textes étudiés, ce qui en retour a donné lieu à la richesse de la production universitaire provenant de chercheurs basés dans cet espace. Cette production universitaire a fourni la vitalité et le dynamisme qui ont maintenu son statut au premier plan des disciplines, dont l'analyse de l'orientation des programmes et alignement universitaire fournit une feuille de route, alors que la résistance à ces littératures est par association à la théorie postcoloniale elle-même dans les facultés françaises s'aligne avec les objections que j'ai mentionnées ci-dessus, mais de façon plus significative, à un rejet des littératures produites en Afrique, souvent le témoignage de cet héritage de l'influence occidentale, contribuant à la marginalisation dans les programmes universitaires et à l'étouffement de l'interdisciplinarité, d'où l'échec de la France à inclure adéquatement ces littératures dans le cadre institutionnel, précisément à cause de leur origine compliquée dans les histoires coloniales, contextes raciaux, ethniques et mentalités dont la France doit venir à bout. Tandis que l'exclusion d'une certaine ouverture et l'expression d'une certaine ouverture à ces idées a été démontrée par le recrutement de professeurs dans ces domaines dans quelques facultés, et tandis que cela continue, évidemment, constitue évidemment un pas dans la bonne direction, ces mesures ne sont pas suffisantes, à moins d'être accompagnées d'une véritable volonté et d'un engagement sincère à reconnaître que ces réorientations ne sont pas temporaires, reflétant une tendance populaire, mais plutôt des manières plus permanentes de repenser, rajeunir et réaligner l'orientation des programmes afin d'établir un climat, un environnement, un écosystème propice à ce genre de réflexion, à ce genre de redéfinition. L'objectif ne devrait pas être l'hospitalité ou la cohabitation, mais la formulation de philosophies pédagogiques qui reflètent les origines coloniales étroitement imbriquées dans ces domaines et leur potentiel continu pour la pollinisation croisée. Nous avons la responsabilité donc de concevoir des programmes innovants regroupant plusieurs siècles les domaines de spécialisation et de transformation qui soulignent les relations transnationales, les enjeux politiques de l'histoire coloniale, les identités diasporiques, ainsi que cette république coloniale ou république impériale sur le multiculturalisme ou sur la diversité, les perspectives croisées sur cette fracture coloniale ou rupture postcoloniale. Bref, les possibilités et les configurations sont infinies. Notre responsabilité
et d'encourager les recherches innovatrices qui ne s'intègrent pas dans des boîtes clairement compartimentées par la simple raison que les facultés ne devraient pas ressembler demain à ce à quoi elles ressemblent aujourd'hui. De même chose, il ne faut pas demander uniquement aux institutions, aux professeurs, aux fonctionnaires de l'État de choisir leurs nouveaux collègues, mais aussi d'impliquer les étudiants dans ces décisions, comme on le fait aux États-Unis, pour que ces étudiants aient le choix de choisir leur futur professeur. Sinon, vous allez vous retrouver avec Alain Finkielkraut comme chef de département. Mais il ne s'agit pas uniquement de créer des postes ou d'établir des chaires, mais plutôt de changer les mentalités. Car les ghettos sont nés de ces fractures coloniales et raciales, mais aussi mentales, comme nous le soulignons dans notre nouveau livre « Vers la guerre des identités » avec Pascal Blanchard et Nicolas Bancel et 20 contributeurs majoritairement français. Celle-ci fabrique une société postcoloniale au sein de laquelle chacun commence à savoir très jeune à quelle catégorie raciale il appartient. Né citoyen français, on peut demeurer par la couleur de sa peau, son nom ou sa religion, un autre, un étranger dans son propre pays. La fracture est donc aussi dans nos têtes. Cette décolonisation évoquée par Ngugi wa Thiong'o a également constitué un défi institutionnel et a mobilisé les études postcoloniales afin de contester les limites et restrictions, promouvant ainsi des paradigmes critiques ayant contribué au démantèlement de ces hiérarchies qui structuraient le canon autour de divers centres et périphéries. Et savons-nous même aujourd'hui distinguer entre un étranger, un immigré, un sans-papier ou un clandestin, entre un arabe, un musulman, un nord-africain, un franco-africain ou une personne issue de l'immigration, issue des minorités, un français d'origine étrangère ou une minorité visible, entre ces individus et groupes qui appartiennent à une configuration sociale distincte en dehors de l'ordre dominant des choses? Et sont-ils si différents que ces Français de souche ou citoyens ethniquement français? Et pour ce qui concerne les attentats du 7 janvier 2015, n'était-ce pas le courage d'un sans-papier musulman malien, Lassana Batil, employé d'un hypermarché Karcher, qui fut récompensé de manière paradoxale par la binationalité? Comme l'a démontré Achille Mbembe, de l'acharnement colonial à diviser, à classifier, à hiérarchiser et à différencier, il est resté quelque chose, des entailles, voire des lésions. Pis, une faille a été érigée qui demeure. Est-il certain qu'aujourd'hui, nous pouvons entretenir avec le nègre des relations autres que celles qui lient le maître à son valet? Lui-même ne persiste-t-il pas à ne se voir que par et dans la différence? La présence donc aux États-Unis de nombreux écrivains africains, ainsi que le statut et la reconnaissance que leur confère le titre de professeur titularisé, a coïncidé avec des avancées critiques qui ont partiellement servi à repenser et à inverser ces dissymétries. Les universités ont aussi ouvert leurs portes à Louisiane et à New York, à Édouard Glissant et à Marie Scondé, à Abdourahmane Waberi à Washington, à Emmanuel Dongala dans le Massachusetts, mais aussi à plusieurs anglophones africains, Zeix Mda, Chris Abani, Hilona Bila, le prix Nobel Shoyinka, Ngugi wa Thiong'o. La nomination de l'écrivain franco-congolais Alain Mabankou à la chaire de création artistique et littéraire au Collège de France en 2016 représente désormais une ouverture symbolique, comme cette conférence aujourd'hui, une rencontre conceptualisée par Alain Mabankou lui-même, espérant qu'elle résonnera comme un appel à l'avènement des études africaines en France, non pas dans une ou deux universités marginalisées, non pas dans un ou deux départements dénués de moyens, mais dans un tout qui fait désormais sens pour comprendre la France d'hier, mais aussi surtout la France contemporaine. Il est donc temps que la France embrasse ces binationaux, qui plutôt qu'être une menace, représentent la richesse d'une France ouverte, diverse, où le nom France voyage ainsi que l'adjectif français. Ceci est vital pour le paysage littéraire et intellectuel français, et il est temps de poser des mots sur cette situation pour bâtir une autre société, une autre université, et pour paraphraser la formule du grand poète Aimé Césaire, nous attendons avec impatience pour voir si les portes de ces institutions resteront désormais ouvertes uniquement aux Français à part entière,
elles accueilleront aussi ceux qui se trouvent souvent entièrement à part. Merci. Ha ha ha.